Yep, toujours cool. Ça fait longtemps. On est le lendemain de mon anniversaire. J'ai eu 30 ans. Et si on faisait une rétrospective de ma life jusqu'à maintenant? J'avais des objectifs, mais est-ce que je les ai atteints? Générique! Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard. J'aurais dû te faire l'amour aux premières lueurs du jour, mais j'ai trop bu toute la nuit et je danse comme un zombie. Ça sent la loose, la loose, la loose. El sueño se ha subido. Si vous me demandez qu'est-ce que je fous ici à Gémeaux, j'ai mon tati à Faha. Ben, c'est ma première journée de mec de 30 ans. J'ai cherché des douceurs. Thanks, hein? Allez, bonne journée. Allez, les gars. Tahiti Biscuit, les gamins, sur Facebook. Like, good et tout ça. Je suis carrément moelleux. Allez, gamins, t'es fin. C'est moelleux, c'est carrément bon. Ah, c'est bon, les gars. Et moi, j'ai fait beaucoup de manier sur les cookies, mais là, c'est bon. Je vais pas tout manger. Je me fais goûter aussi à un moment. Comme ça, peut-être qu'on va commander plein avant de partir. Ça, c'est nature. L'autre que j'ai mangé, c'était chocolat. Eh, même nature, c'est bon. Bon, madame va se fâcher après moi. J'ai pas pris les spéculoos. Mais sinon, les gars, les petits biscuits, carrément bon, les gars. Et pour ceux qui savent pas, c'est un des deux gars dans la tabasse qui fait ça. Regarde les couleurs. Quand même bon, quand même. A few moments later. Je suis pas filmé sur la route parce que. Sacrée circulation, les gars. Enfin, bref, là, je suis à l'OPH. Je suis en train d'attendre madame là pour qu'on finisse de payer nos factures. Comme je l'ai dit, vidéo rétrospective sur ma life. Moi, depuis tout jeune, je me dis une chose. Il faut qu'avant mes 30 ans, j'ai femme, enfant, maison, voiture. Femme, enfant, c'est bon, j'ai eu. En même temps, c'était les choses les plus faciles à avoir. Maison, voiture, c'est pas eu. Et en ça, à cause de ces deux choses-là, je trouve que j'ai raté ma life. Pas raté ma life. J'ai mes enfants, ma femme, ils me comblent de bonheur. Mais comme dans mes projets à moi, je m'étais fixé l'objectif d'avoir maison et voiture. Ben, je trouve que j'ai raté mon coche, quoi, on va dire. Et les calculs sont pas bons. Et j'ai failli avoir tout ça, en fait, si j'avais eu mon CDI. Mais comme tout le monde le sait, normalement, j'avais un CDD, j'allais passer en CDI. Mais j'ai eu une maladie qui a fait que ben, c'était dangereux pour moi de continuer le travail. J'ai pas pu signer mon CDI. Et donc, on n'a pas pu ben, réaliser le projet qu'on devait réaliser. Imagine un peu, on a failli avoir une toute autre vie. J'aurais même peut-être pas été youtubeur si j'étais resté travailler sur le bateau. Enfin, bref, comme je disais, je trouve que j'ai raté ma life. Enfin, pas raté ma life, j'ai raté certains coches, on va dire. Ben, en fait, c'est aussi un peu beaucoup pour ça que je fais plus de vidéos ces temps-ci. C'est parce que je suis frustré. Je tenais à vous dire la vérité. Certes, il y avait le problème du matériel qui ne suivait pas. Mais il y avait aussi le problème de la flemme. J'étais fainéant d'essayer de m'adapter à mon matériel qui bug. Et aussi, ben, je suis frustré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration par rapport à ce que j'ai pas réussi. Moi, je rêve d'avoir une maison pour mes enfants, que mes enfants puissent dormir dans ben, chacun sa chambre, des trucs comme ça. On se bat ces temps-ci avec l'OPH pour essayer d'avoir un truc
qui nous convient, qu'on est sûr de d'aimer, pas pour essayer d'avoir juste un toit. Et personnellement, je trouve que c'est bien, hein, c'est louable de vouloir loger tout le monde, mais il faut aussi penser que les personnes vont vivre dans ces maisons. Faut pas juste dire, allez, voilà, tiens, c'est ta maison, tiens, bravo, bienvenue dans ta maison, non. Enfin, moi, je me bats pour qu'on ait quelque chose qu'on va aimer, qu'on a choisi. Pas pour qu'on ait quelque chose, comme je disais, tiens, vas-y, adapte-toi. Hein. Quitte à avoir un truc comme ça, autant mieux prendre le meilleur, quoi. C'est mon point de vue. Hein. J'essaie de me battre ces temps-ci avec l'OPH pour avoir quelque chose que je veux, que j'ai choisi. Et qui va à ma famille et ses particularités. Enfin bref, comme j'ai dit, j'étais frustré, c'est pour ça que je faisais pas de vidéos. Enfin, j'ai vraiment perdu la motivation de faire des vidéos. Et encore une fois, je m'excuse auprès de vous parce que c'est grâce à vous si la chaîne existe. C'est vous qui regardez, c'est vous qui donnez la force. Tout ça, c'est grâce à vous. Et je me suis dit, encore une fois, faut pas faire ça, c'est pas bien. Parce que les gens sont là, c'est moi qui suis allé chercher les gens. Qui suis allé dire aux gens, allez vous abonner s'il vous plaît, j'ai besoin d'abonnés et tout. Et maintenant qu'ils sont là, les abonnés, je les abandonne. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment pas bien ce que je fais. Donc, j'ai cherché un moyen de me motiver à faire des vidéos et je pense que j'ai trouvé. En fait, comment j'ai trouvé? J'ai cherché quels étaient mes problèmes. Je suis frustré, j'ai pas de finances du tout. Donc, il fallait que je règle le problème des finances, que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Il y avait quoi d'autre comme problème? En fait, je regarde beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres youtubeurs. Atabas, Rauri Garcia, Teddy Teng. Ces temps-ci, il y a des nouveaux youtubeurs et je suis sûr que c'est eux qui vont percer ici à Teddy. Kawalu, Tanikou, je crois. Ou Teddy. Il y a Maud aussi. Maud, il faut faire plus de vidéos. Ça faisait rire ta vidéo. Je veux plus de vidéos comme ça. S'il te plaît, le bon. Taïchen créatif aussi. Le copain aussi, Taïchen. Et lui, il est en France. Bref, j'en ai oublié certains. Mettez dans les commentaires, les gars. Ouais, je regardais beaucoup d'autres youtubeurs et. Je trouvais en fait que moi, mes vidéos, mon contenu était carrément nul en fait. Il y a beaucoup d'abonnés à moi qui m'ont dit que c'était top ce que je faisais. Comme moi personnellement, je trouvais que je faisais des choses où vous apprenez rien, qui vous apportent rien en fait. Mais j'ai décidé d'arrêter comme ça. Et je suis désolé, vraiment désolé. Pour régler le problème de la motivation par rapport au contenu que je faisais, comme j'ai envie de vous apporter quelque chose, j'ai pensé à une façon de faire. Je me suis inspiré d'autres youtubeurs. Je me suis dit que j'allais choisir des commentaires que j'allais lire dans chaque vidéo. Puis, m'est venue une autre idée. Et si vous, dans les commentaires, vous me posez des questions, si je sais, je vous fais la vidéo directement. Si je ne sais pas, ça va me forcer moi à faire des recherches pour faire une vidéo par rapport à votre question. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Bon, après les gars, s'il y a 1000 questions, je vais choisir. Il y a une question, hein. Si jamais vous voulez vraiment que je réponde à votre question, essayez de mettre la question dans tous les commentaires. Et je pense, comme je lis tous les commentaires, le fait de voir tout le temps la même question, je finis par répondre à ta question. Enfin bref, le but du jeu, c'est que vous me posiez des questions dans les commentaires et moi, je vous réponds. Pour la partie budget, sous-sous quoi, j'ai rien trouvé d'autre que me lancer dans l'entrepreneuriat. Normalement l'année prochaine je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai pris exemple, c'est un youtubeur que je connais, que je suis ces temps-ci. C'est Cameron de chez Atabas. Il a lancé sa société de biscuits. Tahiti biscuits les gars. Le lien est dans la description. Vous avez vu au début, il fait de trop bons biscuits. Moi je me suis inspiré de lui, je me suis dit il faut aussi que je fasse quelque chose de mes mains. Je me rappelle une phrase d'un copain qui me disait « Bro, t'as de l'or dans les mains, faut l'utiliser à bon escient. » Je vais essayer de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pas que. Encore une fois, je me suis inspiré d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs. Et je me suis dit que vous voyez le petit logo là qui est là. Ou là, je sais plus. Mais normalement, c'est là. Je vais créer des... Je vais essayer, hein. Avec les moyens que j'ai, de faire une genre de marque. Ce ne sera pas une marque, ça sera plus des genre produits dérivés. Comment on dit déjà ce truc-là? Les goodies, c'est comme ça qu'on dit. Dites-moi dans les commentaires. De créer plusieurs goodies de cette marque-là, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le logo de la chaîne Andy de Tahiti. Et voilà. Ce seront les goodies de Andy Tahiti. J'ai déjà pensé à faire des tricots, casquettes,
lunettes peut-être, si j'arrive, si je trouve le fournisseur déjà. Je me suis dit, je vais créer ça. Mais dites-moi si vous êtes prêts à me soutenir, moi et ma chaîne YouTube, en devenant client de ces choses-là. Tricot, casquette, lunettes, pour le moment. On verra après. Hein. Mon rêve, c'est de faire des parapluies. Ah, et dites-moi aussi dans les commentaires si vous serez client de mon entreprise que j'ai envie de lancer. Si jamais, hein, j'ai envie de devenir coursier. C'est ça le truc. Parce que j'aime bien le service à la personne et j'aime bien conduire. Quand tu combines les deux, ben, pour moi, c'est soit taxi, soit coursier. Taxi, je peux pas. La grand-mère, là, elle n'est pas aux normes pour faire taxi. Coursier, je ne sais pas si elle est aux normes, mais je pense qu'on peut. Hein. Je n'ai pas encore trouvé comment je vais appeler le truc. Enfin, j'ai une petite idée. Ça fait longtemps en fait que je vais devenir coursier. Mais j'ai peur de me lancer à chaque fois. Comme Sigel de ce TikTok là. Comme il aime bien dire, il s'est lancé. Il faut que je me lance. Donc déjà, merci à vous d'être toujours abonné à moi. Merci aux autres youtubeurs de m'avoir inspiré, de m'avoir envoyé pour certains des messages. Merci à vous les gars, ça fait chaud au cœur. Restez connectés. On part à retour là ce vendredi. C'est sûr, je ferai des vidéos là-bas. Ok? Donc, si on récapitule, normalement, bientôt il y aura des vidéos. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire que je puisse répondre aux vidéos. Premièrement, si vos questions, vous ne voyez pas dans les vidéos, c'est peut-être parce que je ne vois pas, premièrement. Aussi parce que ce n'est pas des questions auxquelles je peux répondre. Ok? On va faire comme ça. Vous mettez votre question en commentaire et moi je vous répondrai. Genre, si tu poses ta question et moi je te réponds, bro, c'est ta question que j'ai choisi. Ok, on fait comme ça. Allez, les gars, je vous attends en commentaire. Posez vos questions. Dites-moi si vous serez client de mes futurs projets. J'aimerais bien savoir avant de balancer du stuff à la fenêtre. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, nana, bisous.